Je connais des gens qui mettent 2000 euros dans Genshin Impact, moi, de toute façon, partant de là. Croyez-moi, je culpabilise moins à acheter des trucs. Nouveau niveau musicaux, Romancing Saga 2 et Romancing Saga 3. Incroyable. Il y a des niveaux plutôt durs. Hein. On va essayer de les faire avec cette manette-là. Pas sûr que ça marche bien. Dokkan, c'est le plus triste. Aucun gameplay. De la collection pure et dure. On dirait une boutique NFT. Bah, il y en a plein. Hein. J'ai mis bien plus de 2000 euros dans Genshin ou 10 sorciers malgaches. Tu vois. Ouais. Alors des vélos à plusieurs milliers d'euros, je culpabilise plus. Hein. Je suis synchro, je sais pas comment. En fait, la mise à jour de ce jeu ne s'arrête pas. Merde, raté. C'est hallucinant, en fait. Depuis que le jeu est sorti en janvier, il y a des mises à jour. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles musiques. Bon, par contre, les doubles, je les vois toujours pas. J'arrive pas. C'est une 7 et j'arrive pas. Bon, après, je suis vraiment fatigué en ce moment, vous le savez. Je suis vraiment très fatigué en ce moment. J'ai vraiment ultra forcé. Et je devrais arrêter de streamer, mais comme je pars en vacances, je me dis que... Faut quand même que je stream. J'ai envie de jouer à des jeux. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, putain. J'y suis enfin arrivé. J'aurais jamais eu 900 000. Non. C'est pas grave. Tu vas casser le Gamer 8? Eh ben, j'aimerais bien. Mais je peux pas. Parce que, en fait, les droits du Gamer's 8 pour le casse français, elles ont déjà été données à d'autres personnes. Ils m'ont pas contacté pour le caster. Après, je vais pas vous mentir que même s'ils m'avaient contacté, j'aurais probablement dit non. Parce que j'ai vu un peu les prix du cast voilà, qui proposait. C'est pas ouf. Après, s'ils me laissaient faire ça sur ma chaîne, peut-être j'aurais pu dire oui. Mais en termes de recast, c'est bizarre. Hein. Il y a $1 million à la clé, mais en termes de recast, il n'y a pas beaucoup de sous. C'est un peu décevant de ce côté-là, mais... L'exploitation humaine, quoi. Ouais, je l'aurais fait gratuit, mais c'est quand même les Émirats et tout, hein, donc ils ont vraiment beaucoup d'argent.
c'est vraiment pour le principe. De toute façon, j'ai même pas été contacté, donc ils doivent se dire que je suis trop cher, alors que c'est pas vrai. Le vieux bien. Oh, j'ai le rythme. Mais c'est que la moitié. Facile, hein. J'ai raté les flèches. Impeccable. Ouais, c'est pas ouf, mais ça va. Ça va. 8 400 000, c'est ça. Bon. Faut pas dire que j'ai fait le record du monde, mais bon. La musique est cool. Musique très très cool. J'aime bien. Bon, et ensuite après on parle de l'Evo. Peut-être aller me chercher un sandwich quand même. Je sais pas. Est-ce que je mange, est-ce que je mange pas, je sais pas. Ok. Ça sent que je connais pas la musique quand même. En termes de rythme, ça aide tellement de connaître la musique. Oh merde. Putain, le passage il est méga chaud là. Vache. Elles sont longues les musiques. Je sais pas comment j'ai passé ça. Putain.
Bah, je suis content. Franchement, c'était méga dur. Le Gamer's 8, non, bien sûr que non, c'est pas rentable. C'est pas pour la rentabilité. Et les Émirats, ils font pour le rayonnement de l'e-sport dans leur pays. Ils le font aussi pour installer un tournoi immanquable. Ils le font aussi pour des raisons politiques. Ils le font pour développer l'e-sport international. Ils le font aussi pour faire fonctionner les jeux sur lesquels ils ont investi. Donc, de toute façon, il y a de l'e-sport rentable. Il n'y en a pas. Il y en a ? On n'a pas. Donnez-moi un e-sport rentable. Ça n'existe pas, hein, je crois. Directement, c'est que de la perte d'argent à chaque fois. Waouh, j'ai critique. L'e-sport, c'est vraiment tout est dans une bulle, quoi. Si c'est le truc de l'hype du moment... Les marques, elles s'y posent, elles dépensent de l'argent pour de l'image de marque et tout, c'est surtout simple. C'est ça qui crée une bulle, mais il n'y a pas de... Rentabilité directe, quand tu vois que même pour les clubs de foot, de toute façon, c'est difficile, alors, le sport. Hein. Sac à merde. Pas facile ça. Merde. J'ai eu quand même. J'aime pas du tout cet enchaînement. Je sais pas comment je l'ai eu. Voilà. Désolé, j'ai encore raté le triple S. Bonjour Zérémy. Bonjour et merci, ici Japon Corp. Merci pour le raid. On joue à des jeux très japonais là, justement. Avec la mise à jour de Final Fantasy Theater Rhythm, Final Barline, vous savez le jeu que vous avez la chance de pouvoir jouer en arcade avec les doubles boutons et le double stick là. J'aimerais trop me fabriquer un truc comme ça moi. Sur Romancing Saga 2, 3 et Romancing Saga Final Edition. Donc là ils viennent d'ajouter des comme 10 musiques gratos, enfin gratos non, le jeu est ultra cher mais... Il y a tellement de musiques qui sont ajoutées dans ce jeu quasiment tous les mois. C'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué, j'ai eu la plus grande rejouabilité. Oh, putain, ça va être dur ça. Justement, Jérémy, si t'es encore là. Combien coûte un Pokémon Training Card Game 2 là au Japon aujourd'hui ? C'est le jeu qui est jamais sorti chez nous.
Le vieux bien. Le contre-temps. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est dur ça. En fait, j'ai fait beaucoup de bien et de super, mais je crois que ma musique se désynchronise sur la LGX. Ouais, elle était désynchronisée. Ultra cher, genre 15 000 yens. Ok, putain. J'ai pas raté, mais j'ai vraiment pas fait des bons scores. J'ai tapé à côté de la note. Mais... putain, c'est ouf. On est d'accord qu'au Japon, dans le Nintendo Switch Online, ils l'ont pas rajouté, le 2, hein. Il y a que le 1 qui a été ajouté partout, quoi. Parce que là, je viens de terminer le 1, le TCG 1. C'est un de mes jeux de mon enfance aussi. Je l'ai refait. J'ai une nostalgie de l'enfance. Peut-être je vais régresser au stade anal. Faire caca dessus, acheter des couches. Ça se stream, peut-être. Ok. Let's go! Mais la pression, le thème. Désolé, les contre-temps. Oh putain, ça c'est tellement dur ça. J'arrive pas à faire triple S, mais je crois que ça lag à mort, hein. Entre ma capture, hein. Ma capture qui est fatiguée de plus en plus, hein. Vraiment fatiguée. Les musiques sont vraiment sympas en tout cas. Il me reste plus que ça. Drum Dancing Saga Re-Universe. Incroyable. Putain, mais j'aurais vraiment terminé tous les... Alors idéalement, il faudrait que je refasse tout en triple S no miss. Voilà, c'est le but. Une musique, elle est terminée quand tu fais triple S no miss, quoi, tu vois. Donc ça demanderait beaucoup de temps. Et surtout pas sur cet écran, quoi. Tu vois, je fais même pas de critique Rainbow, là. Ah, trop tôt.
Allez, santé. Bien. D'où bien? T'as quoi? On fumait le bien là. Casse-toi, Alexandre, tu me gênes à chaque fois. On peut le désactiver. Hein. J'oublie toujours de le faire. Ah voilà, triple S. Et nos miss. Et ben voilà, y arrivé. On terminera sur une jolie note. Pour faire des jeux de mots. Tadadam. Oh, j'ai le perfect Terra obtenu. J'ai même pu regarder mes invocations. Faudrait peut-être que je regarde. Et voilà, c'est terminé. Incroyable. Après, il y en a plein, j'ai fait juste S là. Tout ça, c'est que en S. Donc, il y a de l'espace pour améliorer. Hein. Ouais, c'est là où tu changes tous les trucs. Là. Animation des compétences, tu mets non. Effet spécial des compétences, tu mets non. Enfin, t'as même des options de couleurs pour les... Comment je rentre dans la sélection de ma team? C'est start. Faut que je regarde un tout petit peu parce que j'ai bien dû avoir... un nombre assez incalculable de... Waouh, le nombre de trucs que j'ai là. Donc, en fait, tout ça, tu peux le virer. Hein. Tout ce qui a pas 3 diamants, en vrai, ça sert à rien. Les locks, là, mais je m'en servirai jamais. On va aller voir ce qu'on a tout en haut. On a un Léviathan. Taux de collecte carte obtenu plus 40%. Lui, il est bien, lui. Ah, lui, il est sale, lui. Les trucs de l'XP reçu, ça, en vrai, tout ça, on s'en fout un peu. XP reçu 30, 30, 30, t'as eu? Regarde l'XP là. Si tu veux XP, l'abus. Taux de collecte carte 40. En vrai, ce Shiva, il sert à rien en comparaison. Le Shiva, je peux le virer. Et puis, ouais, ça aussi, en vrai. Après, il y a les trucs avec les objets. Ah, en 3, déjà, ça donne des trucs pas mal, mais ça... On va partir de là, ça peut dégager. Hein. Et ça, c'est nul.
C'était bien à une époque, mais là, ça ne vaut plus le, ça ne vaut plus le coup. Vas-y, je vais essayer de triple S The Man with the Machine Gun. Je pense que j'ai aucune chance, mais on va essayer. Non, t'as pas raté le débrief du tout, non. En fait, si t'étais pas là hier, t'as raté la première partie. Oui. De mémoire, c'est une des plus difficiles, je trouve, celle-là. Tellement dur. Débile, j'arrive pas, cette musique, elle est... Il doit y avoir un truc dans mon cerveau qui passe pas en fait dans les rythmes. J'arrive pas. Je comprends pas comment elle peut être notée 9, cette musique. Je comprends pas. Je trouve beaucoup trop dur. Je la trouve vraiment, vraiment très très dur. Déjà que j'ai réussi à finir celle-là qui est intestable. Il y a des 8 que j'arrive pas à passer. Hein. Ça, c'est une question de timing, ça. Putain, mais la note de merde. Faut que j'ai le rythme. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
terriblement long en plus. Je sais pas comment je fais pour pas rater. Hein. C'est débilement compliqué. Hein. Ok, je crois que j'ai fait mieux qu'avant, mais j'ai failli crever quand même. C'est ce jeu s'intitule Theatrism Final Bar Line. Non, non, je dépasse pas le S. Hein, il faut vraiment taffer. Les enchaînements sont, je trouve, très compliqués. Vraiment très, très, très compliqués. Tu joues pas au tactile de la Switch, tu ne peux pas jouer au tactile à ce jeu. C'est pas un jeu tactile. Incroyable. Eh bien voilà. Bah écoutez, hein, encore une fois, on n'est pas déçu hein, par les ajouts de ce jeu. Encore et toujours.